aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Natel Gaming. Aujourd'hui, unboxing du nouveau pack Farming Simulator 2015 édition Gold avec leur volant spécialement conçu par SciTech. Donc, on va commencer le unboxing. Donc, à l'intérieur, dès le déballage, on peut apercevoir Farming Simulator 2015 Gold. Donc on l'ouvrira par la suite. Ensuite, nous avons une petite notice d'utilisation. Petite notice d'utilisation que je regarderai plus tard. Alors ensuite, on va passer à une petite boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? C'est bien sûr le pédalier. Le petit pédalier du volant. Donc voilà, donc avec la pédale accélérée et freinée. Avec le repose-pied qui se déplie. Bien pensé d'ailleurs. Ensuite, on va passer au volant, le plus important bien sûr, le volant qui tourne à 900 degrés. Donc c'est un volant de tracteur, hein. Vous l'attachez sur votre bureau. La touche klaxon que tous les joueurs de Farming Simulator demandaient sur tous les volants, et ben eux, ça a été qu'ils y ont pensé, ils l'ont mis. Donc 900 degrés avec retour automatique. Les boutons, ça va nous permettre d'interagir sans avoir besoin du clavier. Donc là par exemple, quand vous êtes hors de votre véhicule, pour gérer votre personnage. Maintenant, nous allons passer au panneau de commande, donc tout ce que les joueurs attendent le plus important, le panneau de commande. Donc en premier plan sur le panneau de commande, on voit les 10 boutons principaux, donc en haut. Ensuite, on a 6 boutons secondaires. Et on a des boutons qui ressemblent à des boutons on-off, qui n'en est pas, hein. Ce n'est pas des boutons on-off. Mais assez plus épais que les autres. Je pense que c'est pour contrôler la traction ou voir le cultivateur à l'arrière, enfin les outils à l'arrière. Ensuite, on a une grosse touche derrière le joystick. Une grosse touche. On verra à quoi elle sert dans mes prochaines vidéos. Ensuite, là, on a 3 petits boutons. Je ne sais pas encore sur quoi je vais les mettre. Mais c'est bien, c'est pas loin du joystick, donc ça peut être intéressant. Ensuite, le joystick pour contrôler tout ce qui est chargeur, chargeur sur pneu, chargeur frontal, tout ça. Ainsi que les outils forestiers, ça va bien nous aider pour les outils forestiers. Donc ça tourne aussi comme ça, les deux boutons en haut. Et là, nous avons la petite molette pour contrôler tout ce qui est réglage de régulateur de vitesse. Voilà. Donc, c'est... Ces trois outils, je vais vous les mettre ensemble. Voilà, donc là le pad, le volant et le pédalier. Voilà, c'était Natel Gaming.
C'est là que la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié ce unboxing. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et si c'est pas le cas, bah, dites-le en commentaire et je ferai mieux la prochaine fois. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Aguera, avec lequel je travaille en collaboration pour vous proposer bientôt une carrière suivie sur Farming Simulator 2015. J'en profite aussi pour faire une dédicace à mon ami Guillaume qui me soutient beaucoup. Au passage, ne t'inquiète pas Guillaume, la carrière suivie arrive. Et sans oublier mon ami Kevin, que je remercie pour toute la pub gratuite qu'il me fait, ainsi que Gwen Gwen Gaming, qui filme toutes mes vidéos. Et si j'oublie des personnes, excusez-moi, un grand merci à tous mes abonnés, bientôt une nouvelle vidéo sur le gameplay de ce volant. Bye bye les amis!